Le président Macron s'est engagé à ce qu'on accueille en France 3000 réfugiés depuis l'Afrique, donc les pays subsahariens. Et donc aujourd'hui, c'est les toutes premières personnes qui arrivent donc depuis le Tchad. Ça s'appelle comme ça. Les personnes qu'on voit aujourd'hui vivaient dans un camp géré par le HCR au Tchad. Donc on peut imaginer que leur mode de vie était assez éloigné des modes de vie occidentaux que nous avons ici en France. Et donc pendant 4 mois, France Horizon va les accompagner dans leur découverte de notre mode de vie, dans l'ouverture de tous leurs droits, droits sociaux, aide au logement, enseignement du français. C'est venu ici pour prendre la langue française et puis après quand j'ai finir, il faut que je me débrouille un peu. Je cherche le travail. C'est ça que je souhaite. Je veux que parler français, lire et écrire aussi. Les autorités françaises ont souhaité que ces opérations aient aussi la vertu d'empêcher, tant que possible, des personnes de se mettre en danger, de monter vers le nord de l'Afrique, de prendre la mer, à partir de la Libye notamment, pour venir en Europe.